voir le groupe religieux avant ce groupe projet communautaire d'accueil aux réfugiés syriens. Dans le centre commercial, en fait, c'était l'église qui a aménagé la première depuis environ 15 ans. Ils ont acheté leur local. Puis la communauté musulmane s'est installée depuis 3 ans. Juste avant les élections municipales, moi, à cette époque, j'étais le directeur du centre, puis j'ai commencé à avoir des dialogues avec le curé, l'ancien curé. C'était la période de la charte des valeurs. Donc, on partageait nos inquiétudes, on voyait comment on peut collaborer ensemble, comment on peut éviter ce projet-là. Donc, ça a déjà commencé avec certains dialogues. La communauté juive n'était pas vraiment très présente, c'est quand même récent, relativement récent, qu'ils se sont installés ici. Puis d'ailleurs, même eux autres, ils ne se connaissaient même pas qu'il y avait cette communauté d'amis des sœurs. Donc, c'est grâce à leur centre ou leur petite synagogue qui ont découvert que il y a des différents juifs qui s'installent là-bas. Leur rabbin, il a ouvert sa maison comme centre communautaire depuis 2 ans ou quelque chose comme 2-3 ans peut-être. Et il n'était pas dans la même place, donc on ne le voyait pas. Et les premiers contacts, c'était ça fait un an, quand M. Goebbels nous a introduit le rabbin, puis c'est ça comme ça a commencé.